Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas très bien. Nous sommes encore dans les temps de la rentrée, nous sommes en septembre et aujourd'hui on va avoir une émission beaucoup plus sérieuse que la dernière fois, non pas qu'elle n'était pas sérieuse, mais pour ceux qui n'ont pas écouté la précédente émission donc de presque 3 heures, qui était une émission fort cocasse, je t'invite à l'écouter parce que c'est probablement une des meilleures émissions qu'on ait jamais enregistrées. Et aujourd'hui on va être plus terre à terre, on va être plus sérieux et on va parler d'immobilier, on va parler de beaucoup de choses dans l'immobilier, on va parler des problématiques actuelles, c'est-à-dire il y en a plusieurs, hein, du prix de l'immobilier, des crédits, des matériaux, enfin on va vraiment aborder de nombreux sujets que de nombreux investisseurs se posent en ce moment. Et je ne suis pas tout seul pour cette émission podcast, je suis avec Thomas qui est le cofondateur de la première brique, donc une plateforme de crowdfunding. On va faire très très simple, je vais lui donner la parole pour se présenter la première brique, et on va à la fois présenter cette société, parce que je suis client chez eux depuis fort longtemps, et ça fait un moment aussi que j'avais abordé la thématique, même il y a des années et des années, sur les débuts du crowdfunding en France. C'était la mode en 2015, 2016, 2017 pour l'arrivée en Europe et en France du principe du crowdfunding immobilier. On avait fait des émissions et on m'a redemandé d'aborder le sujet, donc je me suis dit tiens, finalement aujourd'hui je passe exclusivement par la première brique, on va le présenter et en même temps, vu le contexte actuel, on va parler d'immobilier. Thomas, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Dis-nous tout. Enchanté. Alors, qui je suis? Eh bien, je suis l'heureux cofondateur, donc, comme tu l'as très justement dit, de la plateforme de crowdfunding immobilier qui s'appelle La Première Brique, que j'ai cofondée avec mon associé Hugo, c'était en 2019. Pour ma part, j'étais étudiant. Je finissais mes études d'avocat. Ouais. Donc, moi, je suis originaire du sud de la France, des Bouches-du-Rhône. Et voilà, donc j'ai un parcours avocat, spécialisation en fusion-acquisition. J'ai aussi fait des études de finance d'entreprise en école de commerce. Et effectivement, pendant mes études, grâce, on va dire, pas à cause, mais plutôt grâce à un stage qui ne s'est pas forcément passé comme je le pensais, j'ai eu envie d'entreprendre. Ok, c'est bien. Et du coup, là, j'ai eu la chance de pouvoir monter sa structure donc, en 2019. Et puis, et aujourd'hui, on va être 12 personnes à la rentrée. Voilà, c'est une équipe qui grossit gentiment, mais on reste une petite structure. On n'a pas fait de levée de fonds, on est 100% indépendant et génial. On avance, on va dire, à notre image et à notre sauce. Ok, super. Je crois que oui, c'est depuis 2020 que j'ai investi dans vos premiers projets. Effectivement. Donc, je crois que votre slogan, c'est « Démocratiser l'investissement immobilier simplement ». C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus? Alors, on va pas trop, ça va pas être un cours d'1 heure sur le crowdfunding IMO et sur la première brique, mais peut-être qu'est-ce qui vous différencie? Rappelez très rapidement ce que c'est et aujourd'hui peut-être le marché du crowdfunding IMO en France. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Qu'est-ce qui fait que vos projets sont sérieux, professionnels et que ça tient la route? Alors, effectivement, juste pour reprendre la base, le crowdfunding immobilier, c'est le fait de réunir plusieurs personnes, plusieurs investisseurs pour financer une opération. Il y a 2 types de crowdfunding. Il y a soit le financement en prêt qui va servir en fait de rampe de lancement pour un projet immobilier porté par un promoteur ou un marchand de biens. C'est ce que l'on fait nous. Mmh. Et il y a aussi du crowdfunding immobilier qui vise à réunir des investisseurs pour acheter un bien, acheter un actif qui va ensuite être mis en location et les investisseurs vont se partager les loyers. Ouais. Voilà. Donc nous, on est vraiment 100% focalisé sur le financement de professionnels de l'immobilier, donc des promoteurs ou des marchands de biens. C'est ça. Ça, c'est le marché du crowd. Ce marché, l'année dernière en France, il représente un peu plus d'1 milliard d'euros. C'est un marché qui est en croissance. On va un peu comprendre aussi au cours de cet échange pourquoi c'est un marché qui intéresse de plus en plus d'investisseurs. Nous, au sein de la première brique, on a décidé, en fait, on n'a rien inventé. Soyons très clairs, on n'a rien inventé. Les dates parlent d'elles-mêmes. On s'est lancé en 2019. Oui. En plus, à l'époque, moi étant étudiant, mon associé étant pareil, il venait de finir ses études aussi. On n'avait pas d'argent. Très clairement, on a créé la société sans argent, vraiment en se débrouillant à droite, à gauche. Donc, on ne pouvait pas non plus avoir les moyens de créer une innovation technologique ou quoi que ce soit. Donc, on s'est juste dit qu'on allait prendre quelque chose qui existait déjà et simplement apporter notre patte. Comment est-ce qu'on a apporté notre ADN? C'est de 2 aspects, c'est-à-dire qu'au niveau des investisseurs, on a voulu rendre l'investissement accessible dès 1 euro. Pourquoi? parce que le crowdfunding avait cette approche démocratique de dire on vient permettre à un maximum de personnes d'investir et d'avoir accès à des produits oui, c'est même l'idée de base pour l'investisseur. Ça, exactement. Et nous, on s'est dit, c'est super, mais autant aller au bout de la démarche. On avait vu que la plupart des sites qui proposaient ça étaient sur des tickets à 1000 ou à 2000 €. Ouais, c'est ça, 2000 €, je crois, au tout début, même sur l'immobilier. C'est ça. Et en fait, nous, on s'est dit, bah, pourquoi, quitte à chercher à démocratiser l'investissement, autant le faire jusqu'au bout et mettre le ticket d'entrée le plus faible, soit 1 €. Alors ça, typiquement, ça montre qu'on est, des passionnés avant d'être des gestionnaires, parce que quand quelqu'un investit 1, 5 ou 10 € chez nous, ce n'est pas rentable pour la société, mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, encore une fois, cette entreprise, on l'a aussi créée parce qu'on est parti d'un constat avec mon associé, c'est qu'on avait fait des études et on évoluait dans un monde qui n'est pas le monde de monsieur et madame tout le monde, en fait. On travaillait pour des banques, pour des fonds d'investissement, moi pour des cabinets d'avocats internationaux, ou du 10%, du 15%, du 20%, c'était pas choquant, quoi. Des retours sur investissement avec des multiples de 2, 3, 4, 5, c'était pas choquant. Et par contre, quand on voyait l'investisseur particulier, les produits qu'on lui proposait, s'il allait voir sa banque, par exemple, bah, c'était pas les mêmes produits. Et du coup, nous, notre credo, c'était un peu d'être les Robins des Bois, c'est-à-dire d'avoir en tête aussi qu'il y a un intérêt à ce que tout le monde ait accès à des produits performants. Ça, c'est ce qui va nous différencier côté investisseur. Côté porteur de projet, en fait, ce qui nous différencie, c'est qu'on va financer des petits projets. Alors, petits projets entre guillemets, ce terme n'étant absolument pas péjoratif dans ma bouche, bien évidemment. Oui. Mais simplement, nous, on a un ADN qui va nous permettre d'accompagner des jeunes porteurs de projets, donc des gens qui vont soit se lancer à titre professionnel toujours, soit qui sont au début de leurs activités, et d'une façon générale, des petites opérations. Pourquoi ? Parce qu'on travaille aussi en fait, en bonne intelligence avec beaucoup d'autres plateformes qui, elles, sont sur des montants plus élevés. C'est vrai. C'est-à-dire que nous, cette année, on va financer entre 25 et 30 millions d'euros. Par exemple, j'ai un dossier qui m'a été envoyé pas plus tard qu'hier par une plateforme qui, cette année, va financer entre 250 et 300 millions d'euros. 10 fois plus gros que nous. C'est un dossier qui est trop petit pour elle. À cette plateforme-là, ça n'intéresse pas. Pour des raisons de rentabilité, pour des raisons d'image, plein de choses. Et à l'inverse, nous, ça nous arrive d'avoir des dossiers qui sont trop gros pour nous. Et on veut aussi garder cette valeur ajoutée. Aujourd'hui, notre valeur ajoutée pour les porteurs de projets, c'est vraiment de financer des opérations qui sont pas forcément dans les critères d'autres plateformes, ce qui ne veut pas dire, attention, ce sont des opérations qui sont forcément plus dangereuses, hein. C'est juste que ce sont des opérations qui ne rentrent pas dans le spectre voulu d'autres acteurs. Bah, j'ai envie de dire, même c'est limite l'inverse en ce moment, parce que c'est peut-être plus les gros projets qui ont tendance à pédaler dans la choucroute en ce moment, et les petits, bon, voilà, on prend beaucoup moins de risques, et de par l'ampleur qui est moindre, ça va plus vite, quoi, ça se fait. On en parlera aussi, voilà, on va en parler après quand on fera un petit état des lieux du marché, mais c'est vrai que nous, notre positionnement, il s'est aussi expliqué par le fait qu'on a abordé cette entreprise, ce marché à travers la première brique de façon très humble, en se disant qu'on était jeune, on n'avait pas 40 ans d'expérience dans la promotion immobilière, et donc il fallait aussi que nous, on se concentre sur les opérations qui soient plus simples à auditer, plus simples à appréhender. Et moi, aujourd'hui, quand je vois certains projets d'autres plateformes qui sont extrêmement intéressants d'un point de vue d'ingénierie financière, juridique, fiscale et immobilière, sincèrement, ce n'est pas forcément c'est pas notre expertise, en fait, tout simplement. Et donc, il y a une répartition assez naturelle qui se fait, et effectivement, on a des investisseurs qui sont généralement multiplateformes et qui nous apprécient aussi pour ça, qui nous disent bah, les projets de la première brique, effectivement, c'est des projets simples. C'est des projets où normalement, si nous on a bien fait notre travail, on lit la plaquette de présentation, on a absolument tout compris. Il n'y a pas besoin de relire 2 ou 3 fois pour essayer de comprendre le montage. Et ça permet aussi, effectivement, on le voit, nous, on a des investisseurs qui sont un petit peu différents des investisseurs d'autres plateformes parfois. On n'a pas de fonds d'investissement qui investissent chez nous, on n'a pas de family office qui investit chez nous. On a vraiment des investisseurs particuliers qui n'y connaissent pas forcément grand-chose à l'immobilier, qui n'ont parfois jamais entendu parler du terme marchand de biens, des choses comme ça. Et du coup, ben, à nous d'être très pédagogues et d'avoir une approche simple, mais pas simple. Bah, c'est aussi pour ça que je voulais vous mettre en avant la première brique, parce que j'aime beaucoup les projets. C'est différenciant. Du côté investisseur, comme tu l'as dit, hein, c'est dès 1 euro, donc il y avait des personnes qui ne pouvaient pas investir et qui peuvent le faire. Donc, petite parenthèse, donc si vous avez 5 euros, comme Thomas a dit, ou plus, vous pouvez investir. Je vous mettrai le lien d'ailleurs dans la description, le lien affilié, comme ça, je crois que c'est 1% en plus sur votre premier investissement en termes de renta, de ROI. En parlant de ROI, vous êtes entre, je crois, c'est 10, 11, 12%. Évidemment, ce n'est pas sans risque. Aucun investissement n'est sans risque. Mais vous êtes quand même sur le haut du panier du crowdfunding, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Alors, nous, les projets vont... 9% pour vraiment, mais un 9% chez nous, c'est très rare, ça a dû arriver 2 ou 3 fois, et jusqu'à 12%. Parfois un petit peu plus sur des durées courtes, on arrive d'avoir des fois des projets avec des pourcentages un peu plus élevés. Et effectivement, si on prend la moyenne de tous nos projets depuis le lancement, on est à 10,5% de rendement. Okay. Si on prend la moyenne des projets cette année, on est à 11,5% rapporté au montant financé. L'année dernière, on était à presque 12%. On est effectivement sous la fourchette haute du marché du crowdfunding. Ça aussi, je pense que c'est les gros, plus tu grossis, plus c'est compliqué. Même si c'est un fonds d'investissement classique, plus tu grossis, plus c'est compliqué de faire aussi de la rentabilité. Et c'est valable aussi dans l'immobilier, ça va être de chercher des boostés sur des projets qui sont plus petits. Oui. Et voilà, et encore une fois, tout s'explique. Un projet chez nous à 12 n'est pas forcément plus risqué qu'un projet sur une autre plateforme à 9. Pourquoi ? Parce que, en fait, encore une fois, ce n'est pas forcément comparable. Un gros promoteur, par exemple, un gros promoteur régional qui va se faire financer à 9 sur notre plateforme, c'est parce que c'est un très gros opérateur et le coût de l'argent, c'est normal qu'il ne soit pas le même qu'un petit marchand de biens qui fait 2 opérations par an et qui vient nous voir nous. Après, je le précise, parce que ce n'est pas forcément facilement compréhensible par un investisseur classique qui n'a pas le nez dedans. Mais c'est le coût de l'argent, comme tu le dis, et plus on grossit, quelle que soit la thématique ou la gestion ou les projets, c'est plus compliqué de sortir pour le même projet. C'est ça. Et effectivement, souvent, les gens ont tendance à se fier au seul taux d'intérêt comme un espèce d'indicateur de risque. Alors oui, un taux d'intérêt reflète un risque. Mais pas toujours, ou en tout cas pas que, c'est une composante qui est une composante essentielle du taux d'intérêt, on est complètement d'accord, mais il n'y a pas que ça non plus. Et du coup, nous, on a été assez confrontés à ça, des investisseurs qui étaient très aguerris, qui étaient multiplateformes, et qui nous disaient je vais diversifier un petit peu chez vous pour essayer d'avoir des grosses rentas, mais je ne rentre pas trop parce que du coup, je pense qu'il y a un horizon de risque qui est bien plus élevé. Alors, on n'a pas l'historique que peuvent avoir les pionniers de l'industrie, mais on commence à avoir maintenant 3 ans d'historique, toujours 0 défaut, et on fait tout, bien sûr, au quotidien pour garder ce chiffre de 0 défaut. Étant rappelé, encore une fois, parce qu'on ne rappelle jamais assez que l'investissement n'est jamais sans risque, sauf si on est dans le livret A. Et encore, il y a des certains économistes qui pourraient dire que s'il y a un risque, voilà, mais bon. Il n'y a pas de risque jusqu'à qu'il y en ait un et qu'il soit... rédhibitoire. C'est ça. Oui, par contre, alors pour le coup, le jour où le livret A devient un risque, tous les autres investissements seront déjà morts. Donc voilà, c'est vrai que c'est intéressant. Et en fait, nous, on est un petit peu, je vais pas dire en marge de cette industrie, mais on est sur un segment qui est vraiment différent des autres. Et c'est pour ça que et d'ailleurs, ça nous a été souvent demandé, si maintenant qu'on avait un petit peu grossi, est-ce qu'on allait rentrer dans la bataille ? Et en fait, ça a été vraiment des choix stratégiques assez importants avec mon associé. On a décidé qu'en fait, non. On était bien sur notre segment parce que c'était notre segment aussi sur lequel on a fait nos preuves, sur lequel on se considère comme ayant une vraie valeur ajoutée. Et oui, c'est sûr qu'en finançant des plus petites opérations, on ne pourra jamais financer 100 millions, 200 millions d'euros par an. Mathématiquement, ce n'est pas possible parce que le temps passé sur un dossier à 200 000 est strictement le même que le temps passé sur un dossier à 1 million. Ouais. Sauf qu'en tant qu'entreprise, on est rémunéré, c'est des success fees en fait, sur le montant qu'on lève. Donc, en fait, on va gagner 5 fois moins, même pour le même temps passé. Et du coup, voilà, nous, on a vraiment décidé de rester sur ce segment qui est le nôtre. Non, c'est stratégique. Donc, encore une fois, pour ceux qui veulent en profiter avant que ça soit la guerre pour pouvoir se positionner sur vos projets, allez-y. Alors, malheureusement, c'est déjà la guerre. C'est pour ça que je dis ça, mais ça sera encore plus la guerre. Non, ça va être un peu moins. on travaille beaucoup là-dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à aucun moment, on avait anticipé que ça marcherait aussi bien. Pour donner quelques chiffres, en septembre 2021, on avait 2500 inscrits sur la plateforme. Et là, au jour où on fait ce podcast, donc à l'été 2022, on a dépassé les 12 000. Étant précisé qu'on ne fait aucune publicité, on n'a jamais donné un euro à Facebook ou à Google. Ils n'en ont pas besoin. Hein. Enfin, en tout cas, ils ont... voilà. Et du coup, on n'avait pas anticipé cette montée en puissance. Donc, nous, on doit trouver toujours plus de projets pour pouvoir satisfaire tout le monde. Par contre, on ne le fera jamais au détriment de la qualité. Donc, ça veut dire aussi que nous, on doit, et c'est ce qu'on fait, recruter, former des analystes pour garder le même niveau de qualité, se structurer encore plus. Donc, tout ça, ça prend du temps. Il y a forcément un temps de réponse. Il y a 2 ans, on était 3, et là, dans un mois, on sera 12. Mais on est en train, et on va bientôt mettre en ligne un nouveau module qui permettra en fait de donner la priorité aux nouveaux investisseurs, puis après aux gens qui n'ont pas investi, dans le projet précédent, voilà, avec des systèmes de tranches horaires où pendant quelques minutes, il y aura une priorité accordée à des personnes. Ok, oui, par temps choc, comme une ICO, c'est en fonction de différents paramètres que vous pouvez rentrer avant les autres. Ok, c'est excellent ça. Donc ouais, ok, bon. Et, je pense que ça devrait plaire à énormément de monde, sachant qu'aujourd'hui, bon, même si je fais, on va dire, priorise moins certaines plateformes ou d'autres crowdfunding, je focalise vraiment sur 2 plateformes. Donc, il y a la première brique sur l'immobilier et il y a également, que j'avais présenté il y a fort longtemps, dans les énergies renouvelables sur Enerfip, qui sont d'ailleurs du crowdfunding à Montpellier, juste à côté de chez moi. Je les connais très, très bien. Ils sont vraiment géniaux, complètement différents. Mais voilà, pour ceux qui m'ont posé la question, je passe par 2 plateformes et ce sont ces 2 plateforme sur l'IMO et sur les ENR. Donc ensuite, est-ce que tu voudrais aborder maintenant des sujets un peu plus, j'allais dire général, mais qui sont peut-être moins plaisants à aborder sur le marché de l'immobilier en ce moment? Alors peut-être déjà en premier temps, les points qui vous impactent de suite maintenant, vous, c'est-à-dire les matériaux, ainsi de suite, et ensuite des problématiques qu'on me pose quasiment tous les jours sur le crédit immobilier, les prix, est-ce que ça va continuer à monter, est-ce que ça va se casser la gueule, ça va nous faire comme en Chine ou comme les subprimes en 2008, est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire des crédits, sachant qu'il y a un financement sur 2 qui est refusé en ce moment. Voilà, quel est ton avis là-dessus? Personne n'a de boule de cristal. Là, c'est vraiment ton ressenti, toi qui es un professionnel dans l'immobilier, comme il y en a beaucoup, chacun a son angle d'attaque différent, a sa vision différente, mais voilà, dis-nous tout. Alors, nous, on a la chance d'être, je considère, comme étant épargné au niveau de la première brique. Pourquoi? Déjà parce que plus de 95% de nos opérations sont nos opérations de marchand de biens. On est très, très peu sur la promotion immobilière. Donc, juste pour présenter la différence entre les 2, marchand de biens, c'est acheter quelque chose d'existant, le transformer, que ce soit au niveau de l'administratif, avec des autorisations type permis de construire ou autre, réaliser des travaux ou non, et le revendre. Donc, on a parfois des opérations de marchand de biens sans travaux. C'est ce qui s'appelle des achats-reventes. On a parfois des opérations de marchand de biens avec des travaux légers et d'autres avec des travaux très lourds. Mais globalement, on a plutôt un profil d'opération qui est avec des travaux légers. C'est-à-dire que par rapport à la promotion immobilière où on va acheter un terrain et construire un immeuble. Donc, on a été plutôt épargné, plutôt très bien épargné d'ailleurs, par le Covid, par les problèmes d'approvisionnement en matériaux, par la hausse des matériaux suite au conflit en Ukraine et par l'inflation qui est la nôtre depuis quelque temps. Bien évidemment, quand je dis plutôt épargné, ça veut dire quand même que nos opérations sont impactées. Nous, dans nos analyses, on va vraiment s'assurer que tous les devis qui nous sont fournis sont des devis récents et donc encore valables au niveau des tarifs, parce qu'on a constaté des hausses selon les matériaux entre 5 et 30%, ce qui est énorme, parce que du coup, à l'échelle d'une opération avec beaucoup de travaux, ça peut potentiellement représenter presque la totalité de la marge. Ouais. Donc nous, on est encore plus vigilants là-dessus, mais encore une fois, on a très très peu d'opérations qui sont concernés. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on nous présente des opérations et des travaux lourds, on est encore un peu plus réticent que par le passé à les accompagner. Ça, c'est sur le côté travaux. Après, il y a un autre phénomène sur le marché qui est un problème lié au permis de construire. D'accord. Où pour le coup, encore une fois, nous, on est assez peu impacté parce qu'on parle de la promotion immobilière. Donc, c'était vraiment une construction neuve. Mais effectivement, il y a eu une baisse assez forte des permis de construire il y a quelques mois, voire années. Et du coup, comme on sait qu'il y a une mise en production, il y a un cycle de production de la promotion immobilière qui est entre 2 et 4 ans, ben en fait, là, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 ans et même il y a un an, le nombre de permis accordés ont baissé. Et donc, du coup, là, en ce moment, il y a un marché qui s'essouffle parce qu'il n'y a quasiment plus de construction. Ouais. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est très, très problématique. Après, qu'est-ce qu'on a aussi comme problématique ? On a aussi une problématique, effectivement, sur... Alors ça pour le coup, nous, on est touchés, comme tout le monde. Et c'est celle-là qui me fait surtout peur. Et je vais raconter une petite anecdote personnelle juste après. Okay. C'est effectivement les problématiques de crédit pour les acquéreurs. Donc, nous, dans les opérations, on va financer un professionnel qui va ensuite revendre le ou les lots de son opération à un ou plusieurs acquéreurs. Généralement, dans quasiment tous les cas, ce sont des acquéreurs particuliers qui vont eux-mêmes faire appel à un crédit bancaire pour financer cette acquisition. Et là, effectivement, on a vu une augmentation de deux choses, c'est-à-dire des pré-commercialisations, c'est-à-dire des commercialisations faites avant que le marchand de biens soit propriétaire du bien cassé pour refus de financement, ou alors des commercialisations. Donc là, c'est-à-dire quand il vend quelque chose après avoir été propriétaire, cassé également pour refus de financement. D'accord. Et ça, on l'a vu de façon assez massive. Et c'est notamment pour ça que nous, on a rallongé les délais de financement. C'est-à-dire qu'une opération avant qu'on allait proposer sur 12 mois, maintenant, on va la proposer sur 18. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il va y avoir, c'est mathématique, hein, il va y avoir beaucoup de chances qu'il y ait un, voire deux refus de financement. Donc, c'est-à-dire, en fait, d'un point de vue calendrier, c'est énorme. Ça impacte énormément une opération. Parce que le marchand, par exemple, va mettre son bien en vente. Donc, il y a la mise en ligne, il y a les visites. Ensuite, il y a la formulation d'une offre. Cette offre est acceptée. Là, on se donne rendez-vous chez le notaire. Malheureusement, les délais des notaires n'ont jamais été aussi élevés. On a des notaires qui mettent un mois à signer une promesse de vente. Oui. Donc là, ça veut dire qu'entre le moment où on met l'offre et le moment où on a la promesse, déjà, on a perdu minimum un mois et maximum 2 mois. Ensuite, à partir de la promesse, généralement, les acquéreurs, ils ont 2 mois pour obtenir leur crédit. S'ils ne l'obtiennent pas... Ce qui ne se fait jamais en ce moment, 2 mois. Voilà, c'est ça. Et s'ils ne l'obtiennent pas, c'est-à-dire qu'on a perdu 4 mois. Appliquer ça x2, on a perdu déjà 8 mois. 8 mois, vraiment, c'est perdu. C'est complètement perdu. Donc, nous, on a augmenté les durées d'opération. Et là, on le voit, par exemple, sur des opérations qu'on avait financées en 2020, en 2021, pardon, l'année dernière, on a des opérations, effectivement, qui étaient des opérations où les travaux sont finis depuis longtemps et où on a eu un refus, 2 refus. Et du coup, là, on arrive à l'échéance des 12 mois. Donc, le prêt va passer en retard avec les pénalités qui vont avec, hein, bien sûr, tout est contractuel. Il n'y a pas de risque de défaut, les travaux sont finis, on a une hypothèque, tout va bien. Oui. Mais simplement, le marchand, par manque de chance, et nous, on a eu déjà des dossiers où on avait des marchands qui nous disaient « je veux sortir d'une opération, moi, tant pis, je baisse le prix de vente, mais par contre, je ne vends qu'à des personnes qui achètent sans condition suspensive de financement. Mais voilà, je veux pouvoir aller sur un nouveau projet. J'ai besoin de sortir de ce projet-là. Donc entre guillemets, je solde ce projet. Et du coup, ce qui veut dire, par contre, actuellement, c'est un marché où, étonnamment, la force est plutôt aux acheteurs qu'aux vendeurs. Et je pense que cette dynamique qu'on n'a pas connue depuis longtemps va s'inscrire de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, aller voir un acheteur en disant « j'achète sans condition suspensive de financement », ou alors j'ai déjà eu un accord de financement, c'est un argument énorme. Là où avant, il y a 1 an, on allait voir un vendeur en disant je propose une baisse de prix de 5 ou 10%, mais j'achète cash. Par exemple, à Paris, le vendeur est rigolé et puis disait merci, au revoir. J'ai pas besoin parce que j'ai n'importe qui va me l'acheter au prix et qui aura. Il faut que j'attende 3 mois, c'est sûr que ça passe, il n'y a pas de délai. Je vais quand même regarder un peu le profil de l'acquéreur, mais ça va passer. Bien sûr. Oui, c'est un peu ce qui s'est passé en 2009-2010. Hein. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec des investisseurs plus âgés que moi. j'étais trop jeune à l'époque, je venais de comprendre ce que c'était l'immobilier. Et il me disait clairement, c'est ceux qui avaient du cash qui étaient les rois. Voilà, c'était cash is king, hein, comme disaient les Américains, ce qui est le cas juste après une crise. Mais les mecs, ils achetaient des biens immobiliers à moins 20, moins 30, moins 40%, parce que juste, ils pouvaient l'acheter. Parce qu'ils savaient que derrière, les autres ne pouvaient pas suivre, tout simplement. Alors, et c'est un peu ça qu'on est en train de progressivement retomber dedans. Je partage complètement ton analyse. Et moi, effectivement, pendant la crise de 2008, j'avais 14 ans. J'étais plus occupé par la PlayStation que par l'immobilier et les marchés financiers. Oui, je n'étais pas majeur non plus en 2008. Presque. Mais oui, et en fait, quand on regarde... Alors, c'est là où, pour moi, il faut vraiment différencier le marché immobilier américain du marché immobilier français. Ouais, mais là, je parlais vraiment de la France. Alors. Ouais, les États-Unis, on ne va pas en parler. Acheter des maisons en bois à 10 000 $. Ça a été vendu 100 000 juste avant, mais bon. C'est pour ceux qui veulent connaître l'histoire et regarder un super film. Alors, et pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, il y a aussi le bouquin The Big Short qui est super. Ouais. Effectivement, ça fait froid dans le dos. Ça fait encore plus froid dans le dos quand on sait qu'on est revenu à des niveaux de levier encore pires que ce qu'il y avait à l'époque. Mais bon, c'est pas grave, l'histoire se répète. En France, effectivement, je pense que là, et c'est ce qui est en train de se passer, on va avoir un ralentissement du marché. Après, on sait qu'on a un immobilier qui est assez résilient, et donc qui résiste bien aux crises. Et clairement, on est dans une crise monétaire, et je pense qu'on est qu'au début de la crise monétaire. Vraiment, j'espère me tromper, mais vraiment fortement. Bah, c'est moins pire en France, mais voilà. Que ça soit le parc immo français, que ça soit l'inflation, quand même, c'est bien pire ailleurs, et aussi sur encore les financements, c'est moins pire en France. Voilà, c'est moins pire en France, mais c'est quand même une réalité. Et donc, je pense effectivement qu'on va arriver dans une période où, effectivement, les acheteurs auront du poids, et il y aura des très bonnes affaires à faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le ralentissement du marché, c'est dû à un phénomène, en fait, du côté des vendeurs. Il y a des vendeurs qui vont dire, bon, le marché n'est pas top, un peu comme en bourse. Vous achetez une action qui décote un peu. Il y a deux options. Soit vous vous dites, en fait, je n'ai pas besoin d'argent, donc je ne vais pas la vendre. J'attends, je fais le dos rond, j'attends que ça revienne. Soit vous dites, ah ouais, mais j'ai besoin d'argent parce que j'ai une super action qui va monter, j'ai besoin de liquidité ou parce que j'en ai besoin pour faire autre chose. Oui. Donc, je suis, entre guillemets, forcé. Surtout qu'en parallèle, il y a souvent aussi, à côté, c'est le principe, l'économie qui ne va pas au top. Et il y a des faillites, il y a des gens qui ont besoin d'argent, parce qu'ils ne peuvent pas se nourrir, parce qu'il y a eu énormément. Et là, c'est vraiment drastique par rapport au Covid, et les aides qui a maintenu l'économie pendant 2 ans. Et là, on a le retour de bâton, parce que non seulement il n'y a plus d'aide, mais il y a les faillites qui auraient dû se passer en temps normal en 2022, plus celles de 2021 et 2020. C'est ça. Donc, il y a aussi des gens qui se retrouvent, qui ont des biens et ils doivent s'en séparer et ils ne peuvent pas attendre 6 mois pour pouvoir avoir du cash. Voilà. On peut prendre l'exemple des décès, on peut prendre l'exemple des divorces, qu'il y en a toujours, et on sait d'un point de vue statistique qu'en période de crise financière et justement d'augmentation du chômage, il y a une augmentation des divorces. Donc, les divorces, généralement, ça entraîne une vente du bien avec généralement des personnes qui sont un peu pressées de vendre. Donc, très clairement, je partage ton opinion, ça va être une période d'opportunité pour des personnes qui auront du cash et qui auront la possibilité de se faire financer en banque. Maintenant, petite anecdote personnelle. Ça me fait même penser, je te coupe, vas-y. Je ne sais pas si tu as vu la statistique, il y a une explosion des viagers. Mais il y a un truc de, je crois, 300 ou 400% d'augmentation sur les 6 derniers mois, ce qui est normal, parce que quand tu ne peux pas aller te faire financer à 90% à la banque, tu cherches des alternatives. Pour ceux qui étaient à mon séminaire, d'ailleurs, au mois de mai à Montpellier, on avait une conférence sur le viager. Je n'étais pas ultra chaud au début, parce que je ne connais rien, et puis d'un point de vue éthique, certains ça gêne. J'ai appris des choses. Pour ceux qui veulent apprendre des choses sur le viager, j'en profite, je mettrai aussi un lien dans la description. Mais ça me faisait penser à ça. C'est-à-dire que là, on voit clairement, c'est un autre signe de ce qu'on est en train de dire sur le marché IMO. Donc, je te redonne la main sur ton anecdote. Tu as complètement raison. Pas plus tard que la semaine dernière, je suis allé voir ma banque pour m'enseigner pour un projet d'achat de résidence principale avec ma compagne. Je pensais avoir un peu une idée du marché. J'ai pris une claque. Donc, je savais que les taux avaient monté. Pas de souci, OK. Mais ça, à la limite, c'est pas vraiment un sujet. Enfin, faut pas oublier que… Pour relativiser sur les taux, oui, ça va. Ouais, et surtout, il ne faut pas oublier qu'on a connu une période de taux anormalement bas. Ça ne pouvait pas perdurer. Et quand on en parle, pour les gens qui, comme nous, à la fin de la vingtaine, au début de trentaine, quand on en parlait avec nos parents, et, nos parents ont emprunté à du 4, du 5, du 6. Enfin, ah oui, ça pourtant, ça ne les a pas mis à la rue, quoi. Oui. Donc, je savais que les taux allaient augmenter. Ça, il n'y a pas de souci. Je savais qu'il fallait, respecter les 33%, d'accord. Oui. Et je savais que le 110% n'existait plus, ou quasiment plus. Alors, ce que j'ai appris, c'est que déjà, au milieu du mois d'août, la banque avait épuisé son crédit de dossiers non réglementaires, on va dire, entre guillemets, pour faire plaisir au HCSF. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Ensuite, moi, la banque m'a dit que, effectivement, il fallait 10% d'apport. Ouais. 10% d'apport, et que si jamais l'achat dépassait les 400 000 euros, il fallait 10% de plus. Idéalement, 20%, ouais. Voilà. Donc là, j'ai rigolé. Je lui ai dit, mais à 20% de cash, il n'y a personne qui emprunte. Ce à quoi mon banquier m'a répondu, oui, c'est le but. Et en fait, alors, il connaît mon activité, donc il sait quand même que je baigne un petit peu dedans. Et en plus, moi, j'étais vraiment pour me renseigner parce que c'est un projet qui n'est pas, à très court terme, on va dire. C'est plutôt du moyen terme. Donc, c'est vraiment pour prendre des informations. Donc, entre guillemets, il n'avait rien à me vendre ce jour-là. Et du coup, ouais, ça m'a choqué parce que 20%, c'est énorme. Alors, le 110%, effectivement, on a vu des choses un petit peu aberrantes avec des gens qui se retrouvaient à avoir un peu plus de dettes que de raison, peut-être parfois, mais le 20%, oui, c'est beaucoup. Et surtout, ce qui est beaucoup, il y a un gap. Il y a un gap. Après, j'en vois venir certains, ils vont me dire moi, je suis à 110%, je connais quelqu'un qui machin chose. Alors c'est pas l'exception, surtout en ce moment. S'il y a une personne sur 10 000 qui a 110%, ne sortez pas, ça existe. Évidemment que ça existe. Et encore, il faut avoir être pote avec le banquier ou avoir un courtier en or. Mais voilà, faut. Et ça existera en ce moment, toujours. C'est 10% minimum, voire 20. Donc, oui. Tout comme se faire financer sur 30 ans existe toujours. Oui. En fait, c'est. C'est Bernard Tapie qui a raconté une anecdote sur le crédit à la banque. Il disait, si vous avez 1 million d'euros de dette, c'est vous qui avez un problème. Si vous avez 100 millions d'euros de dette, c'est la banque qui a un problème. Et en fait, la banque, c'est une entreprise avec une politique commerciale et autres. Mais comme toute entreprise, elle peut négocier. Donc oui, il y a des clients qui vont avoir des choses, on va dire, qui sortent de la norme bancaire. Mais aujourd'hui, le marché on va dire, commun, c'est-à-dire hors dossier incroyable ou hors connaissance, il est très compliqué. Et il est très compliqué, effectivement. On a vu une explosion du taux de refus. Moi, je suis très content parce que il y a ça met un coup de projecteur sur une loi que je trouve absolument débile. Tout simplement parce qu'elle est héritée, en gros, quand on cherche l'origine de cette loi, on comprend pourquoi elle ne peut pas être intelligente. Qui s'appelle le taux d'usure. Je te voyais venir. Voilà. Pour moi, sur un dossier sur deux, je pense, avec des notaires, on me dit « Mais monsieur, votre taux est un taux d'usure. Et super au taux d'usure, c'est du pénal, vous allez aller en prison. » Donc, je leur explique que le taux d'usure a été supprimé pour les sociétés commerciales par la loi NRE, blablabla. Donc, c'est bon, ils me laissent tranquille. Mais ce taux d'usure, en fait, qui à la base est là pour protéger les emprunteurs, en fait, aujourd'hui, il les défavorise. Je comprends la limite, je comprends la logique de dire on va protéger qu'un taux maximal pour pas que les banques fassent n'importe quoi. Après, il y a aussi une réalité qui s'appelle le marché. Une banque qui proposerait que des taux à 4%, si la banque d'en face propose des taux à 2%, les clients vont aller chez elle. Mais bien sûr. Là, c'est plus même une fausse excuse, un faux argument pour pas traiter le dossier ou pour pas avoir des nouveaux clients qui arrivent à dire je vais me faire financer machin chose. Ils disent non, allez, taux d'usure, bim, ça y est, c'est plié. Complètement. Et là, par moi, je me renseignais sur un montage en SCI, et là, un banquier qui m'a dit directement, par contre, SCI, non, là, on n'en fait plus parce qu'on est directement au taux d'usure. Parce que les crédits, généralement, sont un petit peu plus chers sur des SCI qu'en particulier. Il dit non, déjà qu'au particulier, on s'en rapproche. Il dit là, en SCI, on y est directement, donc on ne fait plus de montage SCI, ou alors on les fait sur 15 ans max, et pas sur 25. OK. Et globalement, tu leur dis quoi? Alors, c'est pas vrai, alors que... moi, j'aurais dit que ça tombait bien que je n'étais pas pressé et que du coup, il fallait un peu attendre parce que Maintenant, comme tu l'as dit tout à l'heure, personne n'a la boule de cristal. Enfin, si, alors il y a des gens qui vendent des formations très chères en faisant croire qu'ils ont la boule de cristal. Aujourd'hui, c'est simple. Soit les taux vont continuer à monter, soit ils vont stagner, soit ils vont baisser. En fait, il y a trois hypothèses. Baisser, j'y crois pas. Stagner, possible. Monter, c'est possible, mais dans une certaine mesure. C'était ma théorie, même quand j'avais calculé potentiellement le taux grand maximum sur lequel il pouvait aller, ça pouvait monter à 3. Au-delà de 3, même dans leur stratégie, quand on regarde l'histoire à court terme, c'est très, très, très probable qu'ils aillent au-dessus de 3. C'est ça, je partage vraiment ton opinion. Et en fait, plus le taux va monter, plus on met en tension le marché immobilier. Pourquoi ? Là, mon banquier me disait, moi, c'est simple, des dossiers qui, il y a 6 mois ou 1 an, pouvaient acheter un T3, maintenant, ils achètent un T2. Ouais. Pourquoi ? Parce que les 33% sont devenus rigides, on augmente le taux, donc on augmente les charges mensuelles, donc on réduit la capacité d'emprunt. C'est mathématique. Donc, plus les taux vont monter, en fait, moins les gens vont pouvoir acheter, entre guillemets, de mètres carrés à prix équivalent, si les prix ne bougent pas. Sauf que c'est bien gentil, mais vous êtes une famille avec 2 enfants et vous voulez 3 chambres, vous allez acheter un bien avec 3 chambres. Donc, c'est les mètres carrés, malheureusement, c'est pas très compressible comme mesure. Donc, logiquement, quand les taux montent, encore une fois, le marché immobilier est censé se réajuster. Alors, réajuster, ça ne veut pas dire que ça serait les soldes à moins 30, moins 40, hein. Sauf encore une fois, achat d'opportunités, des choses comme ça, mais la logique, encore une fois, elle est que le marché est censé se réajuster un petit peu à la baisse. Après, la grande question, et là par contre c'est ça où, qui va être un peu intéressant, la question majeure, c'est quand, c'est-à-dire quand est-ce que effectivement on va constater un marché qui se calme un petit peu. Et ce qui va se passer, c'est que en fait c'est de la psychologie, c'est-à-dire que là c'est le temps que les agents immobiliers eux-mêmes, et surtout les vendeurs qui passent avec un agent ou sans agent, en fait, se fassent une philosophie, se fassent une idée du fait que non, se fier sur le prix des comparables de biens vendus dans ma rue l'année dernière, en fait non, c'est plus vrai, parce que le prix de l'année dernière n'est plus le prix d'aujourd'hui. Mais ça, c'est la psychologie, et le problème, c'est qu'en France, on est persuadé que l'immobilier ne baisse jamais et monte en permanence. Et du coup, pour moi, c'est ça qui a expliqué notamment le fait qu'en 2008, ça a ralenti, selon mon humble avis. L'immobilier aurait dû baisser plus que ça en 2008. Ouais. Il ne l'a pas fait parce que nous sommes des fiers Gaulois et qu'en tant que fiers Gaulois, l'immobilier ne baisse pas et qu'on préfère ne pas vendre que vendre moins cher que ce qu'on a acheté. Ouais. D'où le ralentissement. Et alors, le ralentissement, en fait, il est tenable. Mais pareil, tout comme le fait de savoir si les prix vont baisser, le ralentissement, il est tenable, encore une fois, avec une seule notion, qui est la durée. J'ai acheté un bien 300, aujourd'hui le marché est à 280. Ah non, je ne vais quand même pas faire une moins-value, hein. Enfin, c'est impensable. Je vais être la dernière des risées au repas de Noël. Du coup, je vais attendre. Mais je vais attendre, je peux attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, mais potentiellement, je ne peux pas attendre plus. Donc, tout est une question pour moi de durée. Bien sûr. Et faut voir dans quelle dynamique on s'inscrit et surtout sur quelle durée on s'y inscrit, quoi. Oui, tu as même l'émotionnel qui peut rentrer en compte. Ça me fait penser, là, il y avait, j'étais sur un bien et négocier, accepter, machin chose. Je voulais mettre 10% d'apport, enfin bref. Et au dernier moment, c'était une succession, il y avait un frère et une sœur. Et la sœur, qui était un peu plus dure, a dit « Non, mais finalement, je veux que ce soit marqué dans le compromis que vous mettiez 50% d'apport. » Alors, déjà, on marche sur la tête. Et je lui ai dit tout simplement, je ne vais pas aller au bout. Et surtout que c'est dommage pour vous, parce qu'en fait, vous allez attendre 6 mois, et dans 6 mois, le marché ne va pas être le même, et vous allez vous reprendre une volée de bois vert, parce que ce n'est pas sûr que vous la vendiez, votre maison, et pas à ce prix-là, et encore moins avec des conditions comme ça, parce que ce n'est peut-être pas forcément vous qui décidez. C'était ce genre de choses, c'est des vendeurs tellement dans l'émotionnel, qui disent, non, mais c'est la maison, j'y ai vécu toute ma vie, machin chose. Et alors, en plus de ce que tu dis, alors que je ne veux pas faire une moins-value, bon là, la maison était payée en plus. Mais le truc de je ne veux pas me séparer, je ne veux pas que ce soit l'autre qui ait raison, en bon français aussi, ça devient n'importe quoi. Et comme tu dis, le temps qu'ils s'en rendent compte déjà que le marché change, faut qu'ils acceptent en plus le fait de se séparer à des conditions qu'eux n'avaient pas imaginées. Comme un peu on voit les émissions à la télé d'immobilier, les mecs, ils ne veulent jamais vendre parce que voilà, c'est la maison, la famille, machin chose. Et c'est effectivement un des gros problèmes de l'immobilier. Alors, c'est aussi ce qui fait sa magie, hein. C'est que c'est un actif, comme un actif financier. On pourrait l'imaginer comme des obligations, comme des actions, comme des matières premières. Mais c'est un actif sentimental. On y vit, on y élève une famille, on y a des animaux de compagnie, on s'engueule, on passe des bons moments. Enfin, c'est quelque chose qui est ça marque. Et du coup, il y a forcément, et à tous les niveaux, une part d'irrationalité. Ah bah bien sûr. C'est sûr qu'on s'attache moins à son action totale. Bah, ça, exactement. Mais c'est ça aussi qui fait... Un peu plus à son Bitcoin, j'ai envie de dire, d'un point de vue émotionnel, en tout cas pour moi, et encore plus sur l'immobilier. T'as raison. Non, mais donc, voilà, c'est sûr ce qui est intéressant. Ouais. Effectivement, on rentre dans une... Enfin, on y est déjà, hein, donc on y est déjà, mais on est dans un moment, je pense, un peu charnière, où on ne sait pas trop exactement vers où ça va basculer, mais on sait que ça risque de basculer d'un côté. Et après, la question, ça sera quand et jusqu'à quelle proportion on va connaître des modifications. Mais c'est sûr que je pense qu'aujourd'hui, notamment pour les investisseurs, il faut se préparer à des moments un petit peu plus durs. C'est tout bête, mais même en tant que propriétaire, mettre un peu de côté. Moi, j'ai connu, hein, moi j'ai eu un appartement, j'ai pris 2 ans d'effacement de loyer par une commission départementale de surendettement. Ben, c'est simple, il y a une commission départementale qui, bien sûr, c'est non contradictoire, hein, et qui, en gros, on reçoit un joli recommandé, parce que je savais que j'avais une locataire qui ne payait pas, et on reçoit un joli recommandé d'un locataire, enfin, de cette commission qui dit que la commission a décidé d'annuler 2 ans de la dette locative. Bon, bah, j'ai essayé d'aller voir ma banque avec cette lettre, ils n'ont pas annulé 2 ans de mensualité, quoi. Dommage. Non, mais par contre, je crois que si toi, il y a des lois qui font que toi, si toi, tu es effectivement dans ce bien et que tu as un problème, tu peux ne pas payer ton loyer avec des assurances, bien évidemment. Mais dans l'autre sens, c'est un peu plus compliqué. Bon, c'est l'éternelle question de la France vis-à-vis des propriétaires et des locataires. Tout à fait. Mais en fait, chacun sa vision aussi. Mais... Voilà, mais mon propos, c'est plus de dire que même en tant que propriétaire, moi j'ai rencontré un investisseur et c'est super, qui effectivement faisait du 110% à chaque fois, même allait gruger un petit peu sur les travaux, il gonflait les enveloppes travaux, donc en fait il se faisait du 115-120%, enfin, super, mais ça c'est super jusqu'à temps qu'il y ait un retournement du marché, ou potentiellement, encore une fois tu le disais, le cash is king, et c'est sûr, et on l'a vu aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des gens qui avaient pas mal d'actifs immobiliers qui se sont retrouvés en fait complètement renversés et à vendre, c'est soldé. Donc, je ne souhaite pas ça, encore une fois, à la France, mais dans une certaine mesure, on va le connaître. Et je pense qu'effectivement, même en tant qu'investisseur, le fait de faire un peu de mettre de côté pour aller ensuite voir des banques et autres, ça sera un vrai avantage comparatif et concurrentiel par rapport à d'autres investisseurs qui vont continuer à se dire non mais de toute façon le locatif, il faut regarder le cash flow et le 110%, le reste on s'en fout. Bah, non, puis moi aussi, mais je crois que mes 2 premières opérations que j'avais eues à 110%, ben, c'était à une très belle époque, mais même après, même dans une stratégie personnelle, je dis bon allez, c'est bon, là, j'ai un peu de cash, je veux que le projet y aille, je veux avoir statistiquement une probabilité très, très, très énorme que ça passe, je mets 10%, ça fait monter mon cash flow, mon patrimoine net, et ça a beaucoup d'avantages aussi de mettre, c'est bien pas sûr. Que pour faire plaisir à la banque, c'est que tu peux aller vite, tu peux aller plus vite que celui qui ne met pas parce qu'il va y avoir des refus, et ainsi de suite. Et pour revenir sur la question d'avoir du cash, j'en avais parlé aussi très rapidement dans une autre émission, et si toi qui nous écoutes, tu n'as pas suivi, parce que je dis aussi très souvent ce qui est vrai dans une globalité, et encore plus quand tout va bien, d'avoir le moins de cash possible. Ben, encore, on le voit parce qu'avec l'inflation, ça n'a aucun sens, et si l'argent ne travaille pas, l'argent perd en valeur. Mais... cash is king, c'est-à-dire que dans des temps de crise, à un moment donné, il vaut mieux ne pas se précipiter ou épargner un petit peu, pour avoir une logique encore plus dans l'immobilier. Donc, faut avoir cette intelligence de se dire effectivement, je peux attendre sur certaines périodes de notre histoire pour pouvoir investir en temps voulu parce qu'il y a des très belles opérations, mais ne pas le faire juste pour épargner et perdre du pouvoir d'achat, ça n'a aucun sens. Donc voilà, c'est cyclique, tout est cyclique, ne me faites pas dire ce qu'on n'a pas dit, ainsi de suite. Mais effectivement, là, c'est simple comme bonjour, il y aura des opportunités, la force de frappe change de camp, des fois c'est les vendeurs, les acheteurs, il y a l'économie, voilà. Donc faites ce que vous voulez, mais j'ai eu encore la question hier sur Instagram, quelqu'un qui me demandait si je mettais, si je payais les frais de notaire. Je dis, oui, non seulement je paye les frais de notaire, mais je mets globalement 10%. Faut arrêter effectivement les vidéos de 2017-2018 sur 110%, on y va, cash flow, je remplace mon salaire avec une opération, blablabla. Voilà. Mais tu as complètement raison et je pense que les banques on tape souvent sur les formateurs. À la limite, bon, pour la plupart, ils sont sur une approche d'opportunité. Bon, voilà. Chacun son opinion sur... Oui, je dis ça alors que je le suis. Alors, je suis plus moins dans la quantitative, comme certains font beaucoup de volume pour pas citer de nom. Je suis plus dans le haut de gamme qualitatif, donc plus dans aussi l'accompagnement, le coaching, le suivi. Mais ça s'adapte. Après, c'est sûr qu'il y avait une autre réalité. C'était pas faux à une époque, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai actuellement. Et le formateur, il faut juste qu'il s'adapte au marché et que lui-même suive et que ses propos suivent la réalité, parce que sinon, ça vient du vendeur. Évidemment, la réalité des banques. Et, ouais. Moi, voilà, encore une fois, je leur dis que j'ai éclaté de rire, mais j'étais quand même un peu choqué par la réponse du banquier quand je dis à ces conditions-là qui emprunte, il m'a dit personne, et c'est ça le but. Oui, presque dans un sens un petit peu non, parce qu'encore une fois, c'est ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est les plus riches qui vont s'enrichir, parce que si tu as du cash, c'est-à-dire que tu peux te permettre d'aller sur là où 95% ne peuvent pas aller, et d'utiliser l'effet de levier là où les autres ne peuvent pas. Bon. Exactement. Donc oui, c'est l'histoire qui se répète. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Je crois qu'on a fait bien le tour, que ce soit sur le marché ou sur ce que vous proposez de votre côté. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conclure cette très belle émission ? Alors moi, ça serait vraiment quelque chose de général. Ça serait de dire, n'oubliez jamais que tout investissement comporte des risques. Ça, c'est vraiment la clé. N'oubliez jamais qu'il faut investir. Ça peut paraître paradoxal, mais on le voit encore plus en temps d'inflation. Il faut investir. Investir tout le temps, sinon vous allez mourir. C'est ça. Et du coup, éduquez-vous, formez-vous, peu importe la façon dont vous le faites, mais apprenez des choses et n'hésitez pas à mettre justement un peu d'affect dans vos investissements. Or, en toute proportion gardée, mais n'hésitez pas en fait à investir selon qui vous êtes. Oui. Je vous dis ça pourquoi. Très intéressant comme conseil. Ouais. J'ai fait des études pour rentrer à fond dans le capitalisme. Hein. Mon dernier stage, c'est cabinet d'affaires américain à Paris. Voilà. Je travaillais pour des grands fonds internationaux. Ouais. Et pourtant, j'ai refusé un job à 100 000 € à 24 ans. Pour devenir entrepreneur, donc pas le chômage, hein, il y avait 0 € et en tout et pour tout, on avait 7500 balles pour créer la boîte. Et en fait, c'était vraiment aussi suivre un peu son rêve et puis faire un peu le truc à sa sauce. Et il ne faut pas hésiter à... Tout à l'heure, tu vois, tu parlais d'Enerfip. Les ENR, si on prend d'un point de vue financier, Enerfip contre la première brique, le rendement, il est quasiment du simple au double. Oui, c'est vrai, ils sont à 6% environ. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est super. Enfin, c'est super d'investir dans le renouvelable. Donc oui, la personne qui va chercher à tout prix la renta, ok, mais n'hésitez pas à mettre un petit peu d'affect et mettre un petit peu de qui exactement vous êtes dans ce en quoi vous investissez, même si c'est au détriment d'une partie de la rentabilité. En fait, en bout de course, c'est un peu comme ceux qui roulent à 135 au lieu de 130 sur l'autoroute. En bout de course, ils ont gagné 3 fois rien, quoi. C'est ça. Mais voilà, et du coup, l'investissement, c'est investissez comme vous êtes, en fait. Ça serait un peu ça, mon conseil. Et ça me fait même penser, puisque tu reviens sur Enerfip, ils ont fait une collab avec Time for the Planet. Je ne sais pas si... Ouais, voilà. Enfin, bref, ils ont fait une collab, un projet, Time for the Planet. Eux, tu peux investir, mais il y a 0% de rentabilité. C'est-à-dire que derrière, tu peux réinvestir dans un deuxième round, plus en format equity, sur lequel, là, tu vas pouvoir te positionner et avoir une rentabilité. Mais en tout cas, tes premiers investissements, surtout s'ils sont petits, t'as zéro. Enfin, vraiment, ils ont fait une collaboration avec Enerfip, justement, parce qu'il y a un vrai lien en termes d'énergie. Et j'ai investi dessus. Et j'avais fait un appel à l'action aussi durant mon séminaire, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et si tu veux changer les choses, à un moment donné, c'est pas juste pour faire de la finance et faire le plus d'argent possible, c'est aussi pour changer les choses qui nous tiennent à cœur. Et finalement, pour conclure cette émission, j'ai envie de dire que vu l'état du marché actuel, et on ne sait pas combien de temps ça va durer, 6, 12, 18, 24 mois, c'est peut-être une très bonne idée de faire du crowdfunding et d'investir ses billes en attendant sur des projets qui justement durent 6 mois, 12 mois, 18 mois, à commencer par la première brique. Le timing de cette émission est plutôt très bon, parce que des fois, c'est justement le faire travailler ce cash qui dort et qui attend que la crise passe. Donc, ouais, merci beaucoup, Thomas. C'était très plaisant. Je vous remets le lien de tout ça. Je mettrai le lien d'Enerfip, tiens, aussi, on va rajouter. Première brique, on va rajouter aussi, pour ceux qui veulent faire du viager, le petit replay du séminaire, ça sera intéressant également. Et bon, on se dit à très vite pour une prochaine émission.